La puissance de Dieu. Nous voulons commander aux esprits de lâcher les dieux. Nous prions, nous chassons les esprits. Nous condamnons vos œuvres. Nous arrêtons vos œuvres maintenant même. Dans le nom de Jésus. Lâchez les dieux. Nous prions, sentez que vous avez des gens que vous, qui vous poursuivent. Vous sentez qu'il y a des gens qui vous dérangent mystiquement. Donc vous connaissez les noms, écrivez les noms. Ceux qui ont des enfants ici, je fais les aveux demain. Je serai là 5 heures par la grâce de Dieu. Nous allons boucler un programme et puis nous allons rentrer dans un jeûne. Il sera minuit tout à l'heure. Elle dit, tu ne dois plus manger. Vous aimez manger là. Il est minuit. On ne mange pas. Nous, on fait jeûne, on ne fait pas carême, on fait jeûne. Vous avez compris? Ne regardez pas la chair. Écoutez la parole prophétique. Demain, là, nous allons décréter un moment très important. Demain, c'est quel même jour de l'année, du mois de. Hein? Oh, vous savez que le chiffre 3, c'est le chiffre. Hein? De la victoire? Le chiffre 3, c'est la victoire. Amen. Devenez les hommes spirituels. Il y a des choses que je vais vous expliquer. Vous savez que nous sommes le 7, dans le 7e mois de l'année. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Nous abordons le 3e jour du mois, le 7e mois. Demain est vendredi. C'est pas ça? Amen. Sur le 5e jour, vous savez que le 5, c'est la grâce. Je vais vous expliquer les chiffres. Pourquoi forcément demain? Moi, je suis un prophète, je suis là pour les mystères. Voilà. Je suis là pour ça. C'est lui qui ne comprend pas, là, il t'explique. Pourquoi la lune sort? Je vais t'expliquer ça. Je prends vie pour t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi le soleil. Je vais t'expliquer ça. Pourquoi Jésus a arrêté le soleil sur Gabaon? Je vais t'expliquer ça. Et moi, j'abordais un peu le sujet, puis j'ai arrêté un peu. Parce que je voyais que les gens n'étaient pas trop prêts à recevoir ce genre d'enseignement. Or, les sorciers, vous voyez là, c'est des plaisantés. Asseyez-vous. J'ai dit ça à un féticheur. J'ai dit, si tu continues de parler 6 mois, j'ai envoyé la foudre de tuer. Il dit, tu peux, il dit, si, continue de parler. Dans un village, ils ont essayé de me tuer. Ils ont mis un cabri vivant sous la terre. Le monsieur venait révéler le secret. Le plus grand sorcier. Il a cherché à me tuer, mais ça n'a pas marché. Il allait voir les Béninois. Pêcher les crevettes de Bounou. Prendre un cabri vivant, mettre sous la terre pour me tuer. Le monsieur venait faire des aveux. On appelle les gens. Ils veulent faire gros cœur. Je leur ai dit, vous savez,
Ce que vous avez fait là, pour vous là, c'est petit. Moi, il y a beaucoup. Ce que vous avez là, c'est petit. Vous avez Vaudou, non? Vaudou, là, moi, il est grand, ça. Amen. Vous avez essayé, ça n'a pas marché, non? J'ai envoyé la foudre. Amen. Et mon réalité, ça appartient à mon papa. Oui? Amen. Ça appartient à Dieu. Mm-hmm. Pas pour vous. Comment il est allé? Quand j'ai commencé à parler, j'ai commencé à demander pardon. J'aurais dit, je veux faire spectacle. Ça va déchirer en deux. Et puis envoyer les oiseaux vous manger. Pas de croisade. Vous décidez quoi? Vous regardez trois pour me le parler. Qu'on ne te banalise pas. Amen. Amen. Crétinité, bla bla, bizarre, bizarre. Moi, je suis pas dedans. Non. Tu as affaire à moi. Le ciel va se lever contre toi. Amen. C'est ça. Qu'on a affaire à toi là. Je vais vous montrer comment on fait descendre le ciel. Et même c'est la journée. Mm-hmm. Vous allez faire descendre toute l'armée. Ils vont venir, ils vont les écraser un peu. On les prend comme ça. On les écrase, mais c'est dans la mer. Laissez-moi vous montrer un peu les techniques. Amen. Amen. Donc la journée, les gens venus. Vos plats, vous avez gardé. Gardé. Ok. On appelle ça gêne qu'on fait. Il dit pas que il fait noir, non. Quand il est minuit, c'est déjà jour. C'est ça qu'on te dit 1h du matin. Il y a matin qui suit ça. 2h du matin. Ah mais quand il est déjà jour, c'est fini. On commence gêne. Et le jeûne là, il faut que ceux qui veulent te voir périr. M'a bien saisi. Amen. Ça va partir dans les camps un jour. Comme toi, tu es assis, tu dis rien là. C'est dans ton camp seulement ça vient. On va ramener ça dans le camp. Amen. C'est pour la journée de demain. Amen. C'est par toi les choses doivent arriver. Amen. Les venir sur ça ne doit pas t'arriver seulement. Amen. Sinon, quand tu as dit Jésus est bon, ils vont tomber devant, ils vont même pas t'écouter. Amen. Amen. Moi, les gens de ma famille qui cherchent, ils me disent bonjour. J'aurais dit bonjour, mais intéresse pas. Amen. Vas-y, ça, je suis témoignage. Je ne tangerai la main pour demander quoi que ce soit. Parce que j'ai le Dieu à qui appartient l'or et l'argent avec moi. Amen. Amen. Ça va venir un jour, je vais vous montrer comment on a l'argent chaque jour. Amen. C'est mon travail, est fait. Allez, moi, je ne suis pas là pour chasser des bons seulement. Je vais te montrer comment avoir l'argent chaque jour. L'argent va marcher pour dans ta poche. C'est vous qui jouez à l'argent. Vous allez respecter l'argent, on va vous respecter. Amen. Non, ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas. Or, il y a des qui travaillent, ils n'ont pas l'argent. L'argent ne leur profite pas. C'est-à-dire que tu auras l'argent pour satisfaire tes besoins. Et vous enseignez ça? Amen. Amen. L'Éternel est mon berger, je ne manque rien. Moi, chaque jour, je puise, je le mets dans ma poche. C'est pour moi. C'est mon héritage. Amen. Le jour où l'argent va manquer dans ta maison, diable va venir s'asseoir pour parler aux tes oreilles. On dit Jésus fait le tentateur s'approcha de Jésus pour dire qu'on sort ces cailloux-là en paix. Les jours l'argent va manquer, Diallo va t'attraper à la boutique. Maman vient, c'est quoi? Le feu sur toi. Non, ça fait le feu. S'il vous plaît, où est-elle? Hein? Faut arrêter ça, je suis chrétien. Hein? Il dit non, je te remets 30 000. Hein, quoi? On me remet quoi? 30 000 seulement. Tu es vaincu, mais moi je suis chrétien. Il dit non, c'est pour te dire. Donne-moi.
Monsieur, et mon numéro? Ça va demander le numéro. C'est ton numéro là. Type là va t'attraper. Les femmes ont fini les mathématiques. Le monsieur m'en a rien fait, m'a rétrapé. On a le jour, on va faire. Ah ah! Monsieur, ce terrain va t'attraper. Or, Dieu dit il bénira le fruit de votre travail. Que Dieu nous bénisse. C'est pour ça que je vous encourage à entreprendre. Faites des affaires. On vous respecte. L'argent, c'est un pouvoir. Quand on dit pouvoir, là, c'est pas l'onction de chasser des démons. L'argent, c'est un pouvoir. Quand tu commences à avoir l'argent, tu commences à être grand. Le jour où il a manqué à manger, mon petit enfant, celui qui va commencer à t'insulter. Ben, madame, elle a longtemps dans la chambre, comment elle fait par là? Quand l'aïeul a manqué, les enfants vont t'insulter. On fait 2 jours sans manger. Ça, tu n'es rien, papa. Alléluia. Il y a des choses qui ne doivent plus nous arriver. Non. Moi, je ne suis pas appelé à suivre les gens. Qui connaît Dieu, c'est une richesse. J'ai déjà le ciel. Mon nom est déjà écrit dans le livre. Mais je dois manger sur la terre. Amen. Jésus a dit aux disciples, vous allez avoir telle chose sur la terre d'abord, et après quoi le royaume de Dieu. Vous avez pu appeler et puis vous garder, vous dites Jésus, je vais te protéger. Là, tu es trop bon. Pour que je te protège. Parce qu'au départ, Jésus, il est venu demander à Jésus, on gagne quoi en te suivant? On te suit depuis la vie d'aller au ciel. Tu allais préparer au des cieux. Ça ne nous intéresse pas. Ok, quoi? Pierre, va poser la question. Si tu ne réponds pas, on va quitter. Il a mis beaucoup de gens ici depuis. Il parle de préparer une place. Si tu prépares, maintenant tu ne viens pas. Jésus dit, celui qui ira quitter ses parents et tout ça à cause de moi, à cause du royaume des cieux, gagnera sur la terre ici des terres, des richesses. Ils ont entendu. Ah, j'entends ça dans Jésus. Puis il dit, personne ne doit te toucher. Et là, Jésus dit, arrête-moi, Satan. Il a dit à Jésus, tu vas tout pâter la croix. Non. C'est il a dit mourir là. Tu es bon, je vais te protéger. Jésus, il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse vos finances. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse vos finances. Amen. L'argent qui ne reste pas, que ça commence à rester. Amen. Les dettes bizarres là, j'ai craint ça. Amen. Je vais les chercher de ma vie. Les dettes bizarres. J'ai grâce. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais libérer. Les mains sèches. Pour voir 10 000 francs quoi dans une année. Amen. Il y a les gens 100 000 francs, ils n'ont jamais touché dans l'église. Amen. Quand tu dis 100 000, c'est un million. Oh, tu adores le Dieu à qui appartient l'or et l'argent. Elle est signe que tu as te donner. Il est avec toi. Le matériel, tu ne dois pas, tu dois pas manquer. C'est pour ça qu'il dit, ne vous inquiétez de rien. De quoi vous allez vous partir, la nourriture, chercher vraiment le royaume de Dieu et sa justice. Toujours bien cas. Parce qu'il est pouvoir déjà. Il est bien allé dans des oiseaux du ciel. Ils n'ont pas à manger. Mais je les donne à manger. Et toi, tu es enfant de Dieu, toi, tu n'as pas à manger. C'est un problème. Il y a des choses qui ne doivent pas manquer. Que Dieu nous aide. Amen. Non, Nyeni, Nyeni. Dis à quelqu'un, Nyeni, Nyeni. Nyeni, Nyeni de sorcier. On va l'écraser, Nyeni. Les comédiens, les plaisantins, eux n'ont pas les aides à tuer les gens. Nous allons enlever sable contre eux. Amen. Amen. Je vais vous montrer comment enlever sable. Demain, il y a des choses, hein, quand vous êtes tombés ici. Amen. Comment enlever sable contre eux pour les attaquer. Amen. Il n'a pas dit ça, m'attaquer les gens. Amen.
Amen. Amen. On va les tuer. Détruis ça. Amen. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. Ayez foi en vous. Amen. Dis-toi que ça va aller. Amen. Ça va aller. Avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu. Ça va aller. Vous avez Dieu saisi. Amen. Vous ne découragez pas. Amen. Non. Cette maladie dont tu souffres, la maladie, dis-toi que tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas de cette maladie. La Bible dit, ce que l'on pense, c'est ce qui arrive. Je vous disais ce matin, il faut rêver. Le rêve est permis. Dieu m'a cherché les rêveurs. Quand Dieu voulait bénir Abraham, il a donné une vision à Abraham. Il dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Quand Dieu voulait bénir Joseph, il a donné un songe à Joseph. Rêvez. Voyez grand. Amen. Voyez grand. Je vous ai conté le témoignage du monsieur le plus malheureux pour le Congo, que Dieu a positionné dans les milliards. Puis il s'en fiche. Fiche ta même pas un compte, ils en font ça. Ayez tous foi, ayez foi en Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Au départ, que Dieu nous trouve dans les choses, il n'honore pas son nom. C'est tout. Il dit j'honore celui qui m'honore. Demain, j'aurai l'occasion d'imposer les mains à tout le monde, de nous prier. On n'aura pas la veillée à Saroko. Tout va se passer ici aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons régler beaucoup de choses. Je suis en train de provoquer quelque chose en toi. Amen. Si tu as échoué, c'est que c'est toi. Vas-y, je te donne tout. Amen. Il a tout expliqué. Je te donne les armes. Je te dis, voici ça. Vas-y, tel verset dit quoi. Vas-y, tant. Je te donne. Et puis, on va commencer le combat ensemble. Amen. Et puis, on va prendre à ça, même pour aller l'attaquer. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Nous allons tenir debout. Priez ensemble le Seigneur. Je vous ai bien dit, hein, avant d'aller dormir, dès que vous touchez, vous voulez dormir, touchez la tête et commencez à dire, j'annule toutes les paroles négatives qu'ils ont prononcées sur moi. Dans les mêmes, dans les secrets, vous annulez ça avant de dormir. Ne laissez pas ça sur vos vies. Vous avez compris? Amen. N'oubliez pas l'aspect aussi 3h, 4h du matin. Comme ici, généralement, on prie les 4h, c'est déjà intéressant. Mais si vous retournez chez vous, continuez de prier avec cette prière. Amen. Amen. La vie est faite de combats. On t'attaque, c'est parce que c'est important. Quand vous allez voir les enfants, en train de prendre une pierre, si un manguier, c'est qu'il a vu, ils ont vu mangue mûre. Tu vois les enfants, tu sais que la mangue. Ah, c'est comme ça, toi. C'est pas être important que le diable cherche à te déstabiliser. Donc, il faut lui montrer qu'il y a quelque chose qui est important en toi, qui peut le faire taire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu es quelqu'un qui est fort. Tu es fort. Tu es quelqu'un qui est fort. Tu es fort. Alléluia. Amen. Nous prions sur le Seigneur. Merci. Merci parce que tu es Dieu. Merci de nous garder dans le creux de ta main. Merci de nous bénir. Nous te rendons la gloire. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. On dit Amen. Amen. Voilà, soyez bénis. Amen. Je serai là demain matin. 5h. Ici, je reste tout le monde.